Il est obligatoire de croire en tous les prophètes de Dieu, depuis Adam, le premier prophète, jusqu'à Mohammed, qui est le dernier des messagers. Sachez aussi que tous les prophètes sont musulmans. Adam, Sulaiman, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed sont musulmans. Ils ont tous appelé les gens à entrer dans la religion de l'islam. Ils ont tous dit cette même parole à leur communauté: n'adorez que Dieu l'unique et ne lui associez rien. Allah a envoyé les prophètes pour qu'ils transmettent aux gens ce qui est de leur intérêt pour leur religion et pour leur vie d'ici-bas. Pour cela, Dieu les a dotés d'attributs louables et de bons caractères, dont la véracité, l'honnêteté, l'extrême intelligence, le courage et la chasteté. Du fait que les prophètes sont des modèles pour les gens, Dieu les a préservés des attributs blâmables, de sorte que leur sont impossibles le mensonge, la vulgarité, la légèreté morale et l'idiotie. De même, ils sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés comportant une bassesse, aussi bien avant l'avènement de leur mission de prophète qu'après. Cependant, il est possible que l'un d'eux commette un petit péché ne comportant aucune bassesse ou indécence, mais ils sont immédiatement avertis afin qu'ils s'en repentent avant que d'autres ne prennent exemple sur eux. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.